Et c'est parti. Bonjour, 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 bonjour. Alors, il y a du monde qui arrive, super. Alors, bonjour Nathalie, bonjour Armel. Pardon, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Bonjour Bonjour. Camille, bonjour tout le monde. Alors, j'attends que tout se lance, c'est OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'ai entendu que quelqu'un m'avait répondu bonjour. Donc, j'imagine que oui. Un petit pouce pour me dire que vous m'entendez bien. Nathalie m'entend, super. Super, super, super. Ah, j'ai plein de petits pouces qui s'affichent. C'est une nouvelle fonctionnalité de Zoom, c'est chouette ça, hein? J'ai des petits pouces qui arrivent et tout. Nickel. Nickel. Alors, bonjour, bienvenue à vous dans cet avant-dernier mini-atelier de déconfinement ou de confinement pour ceux qui sont encore confinés, parce que la dernière fois, il y avait une maman avec nous qui n'était pas en France et qui était encore confinée. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus, comme vous l'avez vu et comme ça vous a été indiqué à l'entrée de la réunion. Cette vidéo et ce mini-atelier, il est enregistré. Et il sera ensuite posté sur ma chaîne YouTube pour que ça participe à aider le plus grand nombre. Donc, si vous souhaitez rester anonyme, n'allumez pas vos caméras, ce n'est pas une obligation. C'est toujours plus sympa si je peux vous voir. Mais voilà, si ça pose un problème pour vous, n'hésitez pas. C'est pas, y a pas de problème pour moi, en tout cas, parce que vous n'allumez pas vos caméras. La semaine dernière, on avait parlé avec les parents qui étaient présents. Il y avait un papa la semaine dernière, il y avait même une mamie. On avait parlé des crises qui étaient liées aux écrans, parce que c'était le sujet qui vous avait mobilisé à ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai senti que le sujet des crises, c'était un sujet qui était celui qui vous mobilisait le plus, et comme je le comprends. Et du coup, voilà, je pense que ces deux prochaines séances, on va les faire aussi autour de la question des crises. Ce que je vous propose, dans ces mini-ateliers, c'est la même chose. Alors attendez, parce qu'il y a du monde qui arrive, alors il faut que j'admette les gens au fur et à mesure. Ce que je vous propose au fur et à mesure dans cet atelier, bah, c'est une forme d'échange, c'est-à-dire que bah, on va discuter ensemble de ce qui vous mobilise. On va partir un petit peu sous forme de, comment dire ça, un peu d'étude de cas, c'est-à-dire que on va prendre quelqu'un qui veut nous partager une situation qui est particulièrement compliquée pour lui ou pour elle, et puis on va essayer ensemble de réfléchir au message qui se cache derrière cette crise, à ce qu'on peut en comprendre, parce que on part toujours du principe que notre enfant, quand il fait une crise, il n'a pas une volonté foncière de nous pourrir la journée ou de se gâcher à lui aussi la journée, mais qu'il est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce que l'enfant est en train de nous dire, et puis on va essayer aussi de voir quelle posture éducative ou quel outil éducatif est-ce qu'on peut mettre en place. Je vois qu'il y a un papa qui nous écoute. J'adore quand les papas nous écoutent. Bonjour. Super, 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 super. Soyez bienvenus. Soyez tous Merci. bienvenus. Alors, pour prendre la parole, je crois qu'en dessous de votre écran, vous avez la possibilité de lever la main. Parce qu'il y a un petit peu du monde ce matin et je pense qu'il va y avoir encore du monde qui va arriver. Voilà, ça arrive encore. Donc, il y a du monde. Donc, ce que je vous propose, c'est ben, qui se sent, alors caméra ouverte ou non, encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation si vous ne voulez pas montrer vos visages, il n'y a pas de problème pour moi avec ça. Qui aurait envie ce matin de nous partager une situation qui vit régulièrement chez elle ou chez lui et puis qui aurait besoin qu'on réfléchisse ensemble autour de cette situation? Allez, qui se lance? Camille, allez Camille, c'est parti. Alors Camille, j'ouvre votre micro. Dans les murs. Coucou tout le monde. Bon, il y a un peu de bruit, hein, j'ai les enfants, Normal. j'ai les enfants avec. Hein. Ben voilà, je vais prendre la situation de ce matin. J'ai mon grand qui a 4 ans, qui, en fait, ça a commencé hier pour aller se coucher.
quand je l'ai mis coucher, c'était oh, je suis contente, tu me d'être rassurée, etc. Ce matin, je laverai Yorick. Et alors, ce matin, il a pris son doudou et la crise, et je ne veux pas qu'on le casse, et alors qu'il n'y a aucune raison qu'on le fasse, hein. Je ne veux pas qu'on le casse, c'est mon doudou. Et il a commencé à pleurer ma chaude larme pendant bien 1 heure, à pas savoir quoi faire pour lui, quoi. D'accord. Donc vous reliez ça au moment du coucher d'hier soir. Là, la crise, elle a eu lieu ce matin. Oui, mais hier, il a commencé. En fait, le doudou est pour moi le symbole, ça le rassure quand il en crise, ça le réconforte. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à le rassurer, j'ai pas réussi comme hier, et ça a été la crise sur le doudou. Voilà, le D'accord. doudou, si on le casse, voilà, là, on en est. Attends, Yorick, je vais la laver, je vais la laver, Yorick. Voilà, et ça s'attache à des petites choses, ce que je peux comprendre, hein, mais ça s'attache à des petites choses comme un jouet cassé, une pierre. Voilà, et alors, il faut gérer, mais ils n'entendent rien à ce moment-là. Et non. Et Ah. non. Alors, vous avez bien raison, à ce moment-là, ils n'entendent rien, parce qu'à ce moment-là, nos enfants, quel que soit leur âge, et en tout cas jusqu'à 12 ans, et pour les enfants à haut potentiel parfois encore plus tard, encore bien plus tard, et puis même chez d'autres enfants d'ailleurs, ils n'entendent rien, parce qu'à ce moment-là, ils sont branchés uniquement sur leur cerveau archaïque, sur leur cerveau émotionnel, et la partie du cerveau qui nous permet de raisonner, Voilà, chérie. qui se construit au fur et à mesure de notre développement, et ben à ce moment-là, elle est déconnectée. Donc, il ne peut pas raisonner, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, il ne peut pas avoir accès à ce moment-là à de la raison. Il est juste dans son émotion et dans sa frustration, probablement, mais en tout cas dans son émotion. Votre question, c'est à quoi est-ce que je peux relier cette crise du doudou? Mais il faut que, voilà, ma situation elle est un peu compliquée. J'ai des petits garçons qui sont hypersensibles. Pas de bol, ils sont comme moi ou beaucoup de chance, je ne sais pas ce qu'il faut Beaucoup de dire. chance. Voilà. Ça va devenir une chance à un moment ou à un autre. Voilà. Et nous vivons avec le papa qui est un pervers narcissique. Voilà. D'accord. Ok. Donc vous devez être aussi bien en difficulté au milieu de cette situation-là. Ça va, Ça ça va? va. Je relativise. J'ai pris des décisions. Je mets en œuvre pour y arriver. Voilà. Non, ça va. Je relativise avec mes enfants. J'interviens quand il faut intervenir. Et puis voilà. Mais c'est pas du tout évident à certains moments quand ben, le papa est en crise et qu'il s'en prend au garçon parce que bon, il sait plus s'en prendre à moi. On vit encore ensemble puisqu'il n'accepte pas le divorce. D'accord. Hein? Ça, c'est typique. Et ben, c'est vrai que le grand, ben, il s'en prend beaucoup dans la tête par son papa a des paroles très très dures. Il a eu un petit frère ici qui vient d'avoir 1 an. Donc, et la grossesse a été très difficile et j'ai tout fait pour que ça aille. Mais voilà. Donc, je peux comprendre qu'il ne soit pas bien, mais je n'ai pas les bons mots aujourd'hui pour le rassurer par rapport à tout ça. Ok. Alors, écoutez, moi, je vais pas faire de la psychologie de comptoir parce que je déteste ça. Je ne suis pas psychologue, je suis éducatrice spécialisée, donc je ne suis pas compétente pour avoir des analyses psychologiques, encore que. Moi, ce que j'entends dans ce que vous me racontez, c'est que votre enfant, il a peur qu'on casse son doudou. Oui. Son doudou, ça peut être, en tout cas, c'est une piste à explorer. Ça peut être peut-être vous, sa maman. Le doudou, c'est ce qui vient faire objet de substitution à la figure maternelle. C'est-à-dire que c'est ce qui vient vous remplacer pour se rassurer quand maman ne peut pas être avec moi. Donc la nuit, pendant les transitions, parfois à l'école quand les enfants peuvent l'emmener à l'école, c'est un objet de transition qui vient
rappeler que maman, elle est là, que maman, elle existe et qu'elle prend soin de moi. Quand, voilà, au vu de ce que vous m'expliquez, je ne serais pas surprise que votre enfant, hypersensible, qui a donc non pas des antennes, mais une parabole au-dessus de la tête et qui est directement connectée à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, même quand vous, vous n'en avez pas conscience, il est probable qu'il soit inquiet pour vous. Et que du coup, il se sente en insécurité parce qu'il vous sent, vous, dans une position qui n'est pas confortable pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, peut-être que les bons mots seraient de le rassurer sur le fait que vous, vous allez bien et que, effectivement, la situation est compliquée, elle est complexe, elle est ce qu'elle est, vous faites les choix que vous faites, mais qu'en tout cas, il est en sécurité dans le sens où vous faites ce qu'il faut. Voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça je lui ai encore expliqué ce matin que je travaillais dans ce sens-là et que bientôt ce serait beaucoup plus calme. Voilà, ce serait maintenant pour la nuit. C'est vrai que pour la nuit on a eu les soucis du couchage avec les deux enfants. Il est dans ta chambre, va chercher ton doudou. Viens, on va aller chercher ton doudou. Mais non, sois pas triste, chouchou, je comprends, mais viens, on va aller chercher ton doudou. Et donc du coup maintenant mes deux garçons dorment ensemble parce que les deux ont besoin d'être ensemble. Donc voilà, Ils ont besoin d'être rassurés. ils ont besoin d'être ensemble. Et la nuit, bon, des fois je m'intercale entre eux deux quand ils dorment pas très bien. Mais voilà, c'est sûr que gérer une crise avec des enfants hypersensibles et pas avoir les bons mots parce que bon, on est fatigué, parce que le confinement fait, parce que c'est 8 semaines non-stop, H24, 7 jours sur 7 avec les enfants. On n'a pas toujours les bonnes réactions. On n'a pas toujours les bonnes réactions et une fois encore, je vais être très claire par rapport à ça, on n'a pas toujours les bonnes réactions et ça n'existe pas une maman ou un papa qui a toujours les bonnes réactions. Ça existe dans les livres, ça existe éventuellement à la télé, mais ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas une maman ou un papa qui a toujours les bonnes réactions. Même quand on est formé, même quand on est éduque depuis 20 ans, même quand ça n'existe pas. Donc la première chose surtout, c'est vous déculpabiliser de ça. C'est juste normal. C'est normal d'être fatigué quand on a des enfants en bas âge. C'est normal de parfois plus avoir la patience. C'est normal parfois de se sentir perdu face à un enfant hypersensible parce qu'effectivement, parfois on ne sait plus comment le rassurer, on ne sait plus comment l'apaiser, on ne sait plus. Tout ça est normal. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est vraiment très importante que vous entendiez. Pas de culpabilité par rapport à ça. Par contre, ce qui peut être intéressant pour vous et puis pour vos enfants, c'est de le verbaliser. Plutôt que d'essayer d'avoir une réponse rassurante pour votre enfant quand vous vous rendez compte qu'en fait, ben, vous ne l'avez pas et puis que la crise, elle passe pas parce que quoi que vous fassiez de toute façon, ben, votre enfant, il a besoin d'exprimer ça. C'est de pouvoir lui exprimer ben, que vous, là, vous ne savez plus quoi faire pour l'aider. Que vous, bah là, vous êtes fatigué, puis que vous n'avez plus de patience, et puis que voilà, et puis que maman, c'est aussi un être humain, et qu'elle a plus de patience. Parce que en lui exprimant vos propres émotions et en exprimant vos limites de ce que vous pouvez supporter, de ce que vous pouvez encaisser entre guillemets, bah vous allez aussi lui apprendre à lui qu'il a le droit aussi lui d'avoir ses propres limites. Donc ça, c'est vraiment important. Ne soyez pas dans cette dynamique de vouloir toujours avoir une réponse. On n'a pas toujours la réponse. C'est la réalité. Par contre, on peut parler de ce qu'on ressent à notre enfant en lui disant, bah, là, tu vois, je comprends bien que toi, tu n'es pas bien, mais moi, je ne sais plus quoi faire pour toi. Là, j'ai plus d'idées. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai plus d'idées. Peut-être que toi, tu as une idée. Vous pouvez aussi l'associer à cette recherche de solution pour que petit à petit, lui, il développe aussi son intelligence émotionnelle. Et que petit à petit, il puisse trouver ses propres solutions. Alors, bien sûr, un enfant de 4 ans, il ne va pas trouver sa propre solution tout de suite. Mais en tout cas, vous pouvez lui signifier que là, vous, vous n'avez plus de solution à lui proposer. Et puis que peut-être vous n'avez plus la patience. Et puis peut-être que vous en avez marre de l'entendre crier. Et ça, en lui parlant de vous, vous n'allez pas le culpabiliser sur ce que lui est en train de ressentir, puisque vous parlez de vous.
Et vous allez lui montrer que les émotions, il en a, mais vous en avez aussi, et que chacun doit faire le mieux qu'il peut pour apprendre à réguler ça. D'accord. Je veux dire, Camille. Oui, mais donc du coup, aujourd'hui, c'est comme ça, il parle à ma maman. Du coup, ma maman me dit, écoute, fais-les manger et viens me les déposer. Parce qu'elle sait que j'arrive tout doucement à bout. Je suis indépendante, il faut travailler aussi. Bien sûr. Donc, ils vont cet après-midi chez leur nana, passer l'après-midi ailleurs qu'avec moi. Parce que je pense que les enfants aussi en ont un peu ras-le-bol des parents depuis 8 semaines. Mais bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'est important aussi de pouvoir avoir du relais. Alors, parfois... Quand le papa est là et que c'est un papa sur qui on peut compter, ben on peut passer le relais au papa. Et puis parfois, quand le papa n'est pas là, et ben ça peut être effectivement une mamie, une tata, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui on sait que notre enfant va se sentir bien et va être bien, mais qui nous permet aussi à nous de reprendre notre souffle et puis à eux aussi de reprendre leur souffle, comme vous dites. Hein, nous, on est fatigués par cette période de confinement, de déconfinement, et de toutes les inquiétudes que ça suscite en dehors même de la sphère familiale. Hein, il y a des inquiétudes financières, il y a des inquiétudes de travail, etc. Et donc, c'est important aussi d'avoir des espaces où on peut reprendre notre souffle. Hein. C'est vraiment important. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler de la question autour du sommeil? Parce que je trouvais intéressant qu'on puisse... Ok, allez-y. Je vous laisse allumer votre micro. Bonjour. Bonjour. Donc nous, on est parents d'un petit garçon de 7 ans et demi, donc qui a été identifié au potentiel au mois de décembre et qui a sauté une classe juste avant le début du confinement. Donc il a sauté sa classe 15 jours avant le début du confinement. Il y a au niveau potentiel, il est homogène. Jusqu'à maintenant, tout se passait à peu près bien. Bon, il y a eu la perturbation du saut de classe. Le début d'année a été un peu compliqué et le saut de classe finalement a été bénéfique. Okay. Sauf que depuis le confinement, on a découvert une hypersensibilité chez notre fils. Bon, nous, on apprend aussi à découvrir aussi ce qu'est un enfant à haut potentiel parce que, on redéfinit un peu notre rôle de parent aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas et qu'il faut qu'on s'adapte. Et donc, oui, on a eu droit à des tsunamis d'émotions pendant le confinement. On s'est retrouvés complètement désemparés face à une espèce de volcan qui explosait d'un seul coup. Et puis, du coup, on a beaucoup regardé sur votre site et tout, on a trouvé un peu des solutions, merci. ça nous a beaucoup aidé. Et là, effectivement, les colères se sont calmées et on arrive un peu plus à rentrer bien dans le dialogue et puis même lui-même a moins explosé. Mais par contre, le sommeil, le coucher, ça reste très compliqué. Il est devenu en fait très angoissé. Pendant la journée, souvent, il nous dit « mais je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce que j'ai, ça ne va pas ». Et au moment du coucher, de toute façon, ça commence à partir du moment où on lui demande la douche. À partir du moment où on lui demande la douche, il se décompose « mais je ne suis pas bien, mais ça ne va pas, je ne me sens pas bien ». Alors hier, il s'est engouffré dans le fait que la douche, il a bien compris que ce n'était pas systématique. Alors là, les dents, on a trouvé les dents et dodo, donc il le fait bien. C'est un podcast où on raconte des histoires pendant le brossage de dents. Donc là, ça lui plaît. Voilà. La douche, du fait que de temps en temps, on dit « bon, allez, ce soir, exceptionnellement, on va la douche ». Là, hier soir, il nous l'a sorti en disant « oui, pourquoi tu nous dis des fois, je ne fais pas la douche ?» Alors, du coup, maintenant, c'est systématique. La douche, c'est le combat, quoi. Ouais. Alors, on lui a proposé de rester avec lui, de le rassurer. Bon, lui, il aimerait carrément que je reste avec lui tout le temps sous la douche. Mais moi, je ne peux plus. Il est trop grand. Alors, même en restant à côté de lui, etc. En fait, on a l'impression que quand il nous dit « je ne suis pas bien », c'est lié à l'ennui aussi, au vide. C'est que dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans son sens ou il ne va pas bien, ou qui tourne en rond, parce que, évidemment, alors avant, on avait une vie très active, plein de sport, du social et tout, là. Bon, et puis nous, il est enfant unique, donc au bout d'un moment, la source de jeu n'est pas finie. On sature, voilà. Donc évidemment, on compense un peu avec les écrans aussi, on essaye d'être raisonnable, mais voilà. Et donc ça s'enchaîne. Après, on mange, ça va un petit peu mieux, on essaie de jouer avec lui, de faire un temps calme. Et après, au moment du coucher, donc je lui ai donné mon écharpe pour que ça fasse un doudou pour lui.
Mais maman, faut que tu m'aides, je me sens pas bien, j'en peux plus. Et ça peut aller très loin jusqu'à tu comprends, j'en peux plus, je veux mourir, je veux que ça s'arrête. Et nous, on se sent un peu, enfin, émotionnellement, c'est dur d'entendre son enfant dire des choses pareilles. Et donc, on essaie de le rassurer, on lui dit tout va bien, ça va passer. Et alors, il dit ce genre de choses, mais moi, j'ai toujours un petit doute sur sa sincérité quand il dit qu'il n'est pas bien. J'ai presque l'impression qu'il dit qu'il n'est pas bien en mettant des mots juste pour une frustration ou juste parce qu'il s'ennuie, quoi. Des fois je doute un petit peu parce que oui effectivement c'est quand on lui demande quelque chose qu'il a pas envie de faire quoi. Donc là à ce moment là j'ai l'impression qu'il sort sa carte, allez je me sens pas bien. Et ma femme elle est très inquiète, elle est empathique, quoi, voilà. Oui. Vous êtes une magnifique étude de cas du fonctionnement d'un enfant à haut potentiel. On n'en peut plus. Courage. Alors, petite parenthèse, il y a peut-être un truc aussi. Moi, je suis tétraplégique. Je suis en fauteuil roulant. Okay. Comme ça, ça cadre un petit peu. Depuis la naissance de votre enfant, c'est quelque chose qui est arrivé après. Moi, j'ai eu un accident en 2002 et Christopher, on l'a eu en 2012. D'accord. Et donc c'est quelque chose qui pour lui et il a toujours connu ça. Fait partie de sa vie. Il a toujours connu ça. Et ma femme s'est occupée de lui beaucoup petit, puisque moi j'ai mes mains qui sont paralysées, donc en dehors du fait de pas marcher, j'ai des difficultés pour me servir de mes mains. Mais il est très impliqué, il s'occupe beaucoup de son fils. Mais la preuve, il est là. Et heureusement, parce que... La preuve, il est là. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vous racontez qui seraient super intéressantes de creuser, mais si on veut avoir un petit peu de temps pour donner la parole à tout le monde, on ne va pas tout creuser aujourd'hui. Je vais rebondir sur la question du sommeil et puis sur les questions que vous vous posez, vous, monsieur, sur est-ce qu'il nous manipule, entre guillemets, en disant qu'il n'est pas bien. Ou est-ce que c'est sa carte, on va s'occuper de moi, ou est-ce qu'il ressent profondément qu'il n'est pas bien. L'ambivalence au niveau, vous dites que ça commence au moment de la douche, et pourquoi un coup c'est obligatoire, un coup ça ne l'est pas. Ça fait partie d'une grande ambivalence des enfants à haut potentiel anxieux, ce qui est le cas du vôtre. Alors tous les enfants à haut potentiel ne sont pas anxieux, mais en général quand vous me suivez c'est que vos enfants sont anxieux la plupart du temps en tout cas. Ils ont besoin d'une routine régulière parce que ça les rassure, parce que ça organise leur monde et du coup c'est rassurant, un monde organisé. Donc par exemple avec une douche qui est tous les jours, d'accord. Et à côté de ça, ils ne supportent pas la routine. Donc, ils sont dans cette ambivalence permanente entre « j'ai besoin d'une routine régulière pour me rassurer parce qu'il faut faire barrage à mes angoisses et à mes inquiétudes. » Et quand le monde tourne toujours de la même façon, ben c'est très rassurant. Mais si je dois prendre la douche tous les jours, c'est quand même très gonflant. Et nous, du coup, en tant que parents, on est vraiment en difficulté par rapport à ça parce que comment on jongle entre ces deux besoins qui sont les deux légitimes, mais qui vont pas ensemble en fait, ils ne peuvent pas aller ensemble. Une des pistes pour ça, c'est de laisser votre enfant choisir. C'est-à-dire que vous allez peut-être décider que la douche c'est tous les jours. Alors pour d'autres enfants, encore une fois, je parle de vous. Hein. Pour d'autres enfants, dans certaines familles, la douche c'est une fois par semaine, puis le reste du temps c'est une petite toilette de chat au lavabo. Après, chacun fait comme il veut chez soi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument une douche tous les jours, hein. Mais en tout cas pour ceux qui veulent que leur enfant se douche tous les jours et que ça va rassurer de se doucher tous les jours, peut-être vous pourriez varier le moment où il se douche. Peut-être vous pouvez lui dire le matin, de toute façon dans la journée il va falloir que tu prennes une douche parce que c'est important pour nous. Nous dans cette famille là, dans notre famille, on trouve que c'est important de prendre une douche tous les jours. Par contre, à quel moment est-ce que tu veux la prendre ta douche? Est-ce que tu veux la prendre plutôt dès que l'après-midi est fini avant de manger et puis comme ça c'est fait? Est-ce que tu préfères la prendre juste avant d'aller te coucher? Et ça va pouvoir varier d'un jour à l'autre. Ça va permettre d'amener de la variation et de la diversité, ne serait-ce que dans le moment où la routine va se dérouler, tout en maintenant quelque chose d'assez fixe, qui malgré tout est rassurant.
Après, ce que j'entends aussi autour de cette question de la douche chez votre enfant, c'est que ça, c'est le signal de « on va aller se coucher ». On est d'accord. Hein. Et du coup, l'angoisse monte. Du coup, c'est par anticipation de ce que ce moment du coucher va me faire vivre, ben, je commence déjà à m'inquiéter. Et du coup, j'ai déjà beaucoup besoin que maman elle soit là et qu'elle me rassure parce que l'angoisse commence à démarrer. Quand je vous entends dire « je ne peux pas rester avec lui, il est trop grand », débarrassez-vous de ça. En fait, c'est plus sous la douche, c'est avec lui, dans la salle de bain, oui, mais du coup, c'est plutôt nu sous la douche, quoi, pour être clair. Oui. Alors, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, on est bien d'accord, et encore moins si ça vous met mal à l'aise, et puis on ne va pas faire ça, effectivement, tous les soirs avec nos enfants. Mais par contre, effectivement, ça peut être de l'autre côté du rideau de douche, profitez-en, je ne sais pas, pour vous laver les dents, pour vous faire un masque aux cheveux, pour voilà, avoir une activité qui vous nourrit aussi. C'est-à-dire que j'ai rarement de masque aux cheveux, moi. Vous devriez vous y mettre. Oui, mais c'est une bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, c'est trouver une activité qui, à la fois, vous laisse présente et qui, du coup, peut rassurer votre enfant, mais où vous n'êtes pas complètement centré sur lui pour qu'il apprenne aussi un petit peu ce détachement nécessaire. Alors, je ne sais pas comment est faite votre salle de bain, mais certaines familles, la machine à laver est dans la salle de bain. Bah, ça peut être le moment de remplir la machine à laver pendant que l'enfant est en train de prendre la douche parce que vous avez une activité, vous êtes occupé à quelque chose et vous êtes là, mais pas complètement centré sur lui pour que petit à petit, il apprenne quand même à autogérer cette anxiété et à l'auto-réguler. Parce que si un enfant anxieux, si on veut le rassurer tout le temps, on renforce sa sensation que quelque chose est dangereux. J'ai bien raison d'avoir peur puisque maman vient ou papa vient me rassurer. Donc là aussi, c'est dans cet équilibre qu'il nous faut trouver, ce dosage entre je rassure et je te laisse te confronter aussi à tes peurs parce que il y a qu'en t'y confrontant que tu vas arriver à les dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça ne veut pas dire qu'on laisse l'enfant complètement seul avec sa peur et avec son angoisse, hein, pas du tout. C'est important à ces moments-là de trouver quelque chose qui va l'aider petit à petit. Alors, peut-être que ça va être de rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme pendant quelques temps. Et encore une fois, quel que soit son âge, moi je connais des adultes qui ne s'endorment pas quand leur mari ou leur femme ne sont pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois on demande aux enfants d'avoir une autonomie, par exemple au moment du coucher, hein, que certains adultes n'ont pas, et c'est une réalité. Mais je vous assure que j'ai des amis qui ne s'endorment pas si les conjoints ne sont pas là. Donc, on peut entendre que du coup, pour un enfant, ça peut être. Voilà! Non, mais, c'est pas vrai. Exemple, non, mais même, et même si c'était le cas, pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a aucun jugement. Il y en a d'autres qui disent moi aussi. Il n'y a aucun jugement de valeur. C'est juste. Claire, je vais vous donner la parole. Et puis, j'ai vu que Nathalie, je crois aussi, vous avez demandé la parole. Ouais. C'est juste sortir des clichés et des injonctions sociales qui nous disent « il faut que mon enfant s'endorme tout seul parce que sinon il va rater sa vie ou je ne sais quoi » qu'on vient nous mettre dans la tête comme ça quand on est parents et on en oublie que même nous adultes hein, qui avons un cerveau à peu près construit correctement, bah, parfois on est aussi pris par des peurs et par des angoisses qui nous dépassent, et particulièrement au moment du coucher. Donc c'est juste… avec bienveillance, si votre enfant pendant quelques temps il a besoin de vous pour s'endormir, vous pouvez encore une fois lui signifier que pour l'instant je vois que tu as besoin de ça, donc j'accepte de rester avec toi, et puis petit à petit tu vas trouver des solutions, petit à petit vous pourrez trouver d'autres stratégies, peut-être que ce sera je reste un petit moment et puis après je te mets une petite musique et puis je reviens te voir dans un petit moment pour voir si tout va bien. Et petit à petit, il va apprivoiser cette peur, mais ça va être petit à petit. Et tant qu'il est dans cette phase d'angoisse intense, en fait, hein, qu'on sent quand même au moment du coucher, et particulièrement pendant cette période, n'oublions pas que nous-mêmes, là aussi, nous-mêmes adultes, on est quand même très anxieux et très inquiets de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc, nos enfants hypersensibles, ils ressentent notre inquiétude, ils ont la leur à gérer par rapport à ça, et bien sûr qu'au moment du coucher, ça fait ressurgir toutes ces angoisses et toutes ces inquiétudes, ça c'est sûr. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de vous dire, dans un premier temps j'accompagne, et puis petit à petit,
je tente des trucs. Et puis peut-être avec lui, demandez-lui ce qui pourrait le rassurer en dehors de votre présence. Qu'est-ce que tu te sentirais capable de faire? Ce qui est sûr, et ce qu'il faut là encore que vous entendiez, c'est qu'à 18 ans, il ne dormira plus avec vous. Je vous jure. Il aura trouvé une autre pour le faire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est jamais perdre de vue que c'est des étapes qui sont momentanées. Et en accompagnant le sommeil de vos enfants, vous allez lui permettre de l'apprivoiser, d'apprivoiser ce moment de vide sidéral, hein, qui est le moment où on doit s'endormir, on doit arrêter de penser, on doit lâcher prise, on doit être confronté à toutes nos inquiétudes. Et voyez à long terme, voyez dans sa vie d'adulte, ben, il aura appris que le sommeil, ce n'est pas son ennemi, que le sommeil, ce n'est pas quelque chose d'angoissant, parce que vous aurez fait cet accompagnement-là. Ok, pour mettre du sens aussi pour vous. Juste pour répondre, puis après je donnerai la parole à d'autres, mais juste pour vous répondre, monsieur, sur est-ce que c'est sa carte, je ne me sens pas bien et j'attire de l'attention. Probablement, c'est probablement une carte, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Mais par contre, il a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui. Donc effectivement, c'est comme ça qu'il le verbalise, parce qu'à 7 ans et demi, c'est encore compliqué de savoir de quoi on a besoin exactement. Hein, peut-être qu'on a besoin, je ne sais pas, de repos, peut-être qu'on a besoin de jouer parce qu'on s'ennuie, peut-être. Mais on n'identifie pas ça en nous. On sent que quelque chose ne va pas bien. Mais quoi? Oui, c'est ça. À cet âge-là, c'est compliqué. Donc oui, c'est ma carte. Aidez-moi. Aidez-moi. En moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas comme il faudrait, mais je ne sais pas. Alors après, là encore, à vous de l'accompagner là-dedans en cherchant avec lui de quoi il a réellement besoin. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il nous, tous les soirs, pardon, je vous coupe. Hein. Allez-y. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, c'est tous les soirs qu'il nous dit « mais je suis pas bien tous les soirs ». Oui, c'est le vocabulaire extrême. C'est « je suis jamais bien dans ma vie, ça va jamais ». Et oui, mais ça, c'est le soir. Ça, c'est les pensées négatives du soir. Donc, c'est vrai que vous, il ne faut pas plus vous en affoler que ça. Si vous avez à côté de ça un petit garçon qui la journée va plutôt bien, voilà, si vous pensez, si après vous constatez que votre enfant il va pas bien, bah oui, il faut aller consulter et il faut aller demander de l'aide. Là, c'est pas ce que j'entends pour le coup. Pour l'instant, j'entends un petit garçon qui la journée gère plutôt pas trop mal et puis qui a des angoisses le soir qui arrivent et qui sont particulièrement importantes. Donc c'est voilà, et puis c'est reconnaître aussi, lui dire bah oui, en ce moment c'est vraiment difficile, hein. C'est quand même inquiétant ce qu'on vit, t'as vraiment de quoi pas être bien, mais tu sais, ça va passer. Parce que rien ne dure jamais. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis, ce que je vous disais, c'est dans la journée et même le soir, essayez de lui faire verbaliser de quoi il a besoin. Si dans la journée, vous sentez que c'est de l'ennui, vous voyez bien qu'en fait, je ne suis pas bien, ou je m'excite, ou je fais n'importe quoi, ou je fais des bêtises, parce qu'en fait, je m'ennuie. C'est à vous de verbaliser, de dire, tu sais, là, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Pour que petit à petit, lui, il puisse associer ce qu'il ressent avec les bons mots. Et c'est vrai que ça, c'est un apprentissage. Hein? Donc, effectivement, il y a une carte, j'ai besoin d'attention et j'ai besoin qu'on m'aide parce que je ne sais pas comment me sortir de ce que je suis en train de ressentir. Mais cette carte, elle est quand même valable et je ne crois pas à la manipulation ni des enfants au potentiel, ni des autres. Je n'y crois pas. Par contre, toujours, et je suis un peu têtue là-dessus, mais j'y reviens à chaque fois, n'oubliez pas vos besoins à vous aussi de parents. C'est-à-dire que vous avez aussi, vous, le droit de dire à un moment donné, « Ok, là, tu as besoin que je t'accompagne pour dormir. Ça fait 30 minutes que je suis avec toi. Moi, j'ai besoin d'aller faire autre chose. Donc maintenant, je te laisse 15 minutes, 20 minutes. Je reviens dans 15 minutes, je reviens dans 20 minutes. » Parce que ne vous imposez pas d'accompagner votre enfant quand votre limite à vous, elle est passée. D'abord, vous serez plus efficace parce que votre enfant, il va le sentir. Et puis en plus, voilà, pour accompagner nos enfants, on a besoin de beaucoup d'énergie et il faut la préserver. La préserver et voilà, n'hésitez pas aussi à poser des limites. Quand votre limite à vous, elle est dépassée, quand vous parliez du besoin de jeu, vous avez un seuil de jeu qui est possible avec papa ou avec maman. Puis il y a un moment donné où juste papa et maman, ils en ont marre de jouer parce qu'ils ont envie de faire autre chose dans leur journée. Donc, on essaie de l'anticiper pour pas que ça vienne brutalement, mais c'est en tout cas dire, là, tu vois, moi, j'ai plus envie. Parce que c'est aussi apprendre à notre enfant à respecter l'autre.
Et ça, dans sa vie future et d'adulte, etc., ça va vraiment être important pour lui. Donc, c'est petit à petit lui dire, voilà, moi, j'ai plus envie de jouer. Hein, je t'aime toujours autant, parce que je vous assure qu'un enfant au potentiel, il va tout de suite croire que vous l'aimez plus si vous avez plus envie de jouer. Donc, je t'aime toujours autant, mais là, moi, j'ai plus envie de jouer. Alors, par contre, on peut se retrouver, je sais pas, dans une heure pour préparer à manger, dans une heure et demie pour tailler à la douche et puis que moi j'aille me faire mon masque des cheveux, monsieur, vous allez vous y mettre. Vous voyez, voilà, c'est toujours essayer de respecter autant vos propres besoins à vous que les besoins de votre enfant. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est okay super. Pour vous, ça vous est clair? Ouais. Super. Super. Avec plaisir. Il y avait Claire qui voulait prendre la parole. Bonjour Claire, comment allez-vous? Alors, attendez, vous n'avez pas le micro d'ouvert. Je vais vous l'activer. Voilà. Oui, mais en fait, je voulais intervenir par rapport à ce que disaient madame et monsieur. Oui. Et en fait, vous l'avez dit, moi, j'avais posé la question par rapport à Charlie la dernière fois pour la transition quand il était dehors et rentré pour la douche. Voilà, donc ça va mieux. Il reste moins longtemps dehors. Ça a bien marché. Okay. Simplement, j'attends encore, moi, à côté, je fais le pied de grue, voilà. J'attends qu'il veuille bien se doucher, voilà. Donc, j'attends. C'est un peu moins long que d'habitude, mais donc, l'idée de faire autre chose, oui, ça me plaît bien, parce que je lui ai dit, là, il n'y a que toi qui existes. Sinon, moi, j'ai besoin aussi de, que t'entendes qu'il n'y a pas que toi, quoi. Voilà, moi, je suis là, je t'attends pendant des heures et des heures, donc ça va pas. Voilà, donc ça, je voulais dire que nous, on reste avec lui effectivement pour lire une histoire et du coup, ça, c'est devenu moins angoissant. Alors, on reste avec lui, donc ça, par moment, c'est un peu… En fait, par moment, on dit, on s'accorde là la soirée, donc toi, tu vas, on lit l'histoire et puis après, on s'en va et après, on revient. Mais il y a des jours où on reste complètement et on attend qu'il s'endorme. Et après, on met une petite musique relaxante. C'est un rituel maintenant. C'est-à-dire que quand on éteint la lumière, il a la veilleuse. Et ensuite, il y a la petite musique relaxante qui est toujours la même. Et du coup, ça devient moins angoissant. Alors voilà, je voulais vous dire comment nous on faisait. Et puis, des fois, parfois, ça peut… Bien sûr. Voilà, pour nous, c'est la douche. Voilà, c'est sortir de dehors pour rentrer et puis prendre la douche. Ça, c'est un peu… Mais bon… Ça dure moins quand même. Ça dure moins avec ce que vous m'avez. Super. Pour le moment, il y a aussi les podcasts audio que vous pouvez proposer. C'est ce que j'ai appris là pour le lavage des dents. Ça va m'intéresser, ça, oui. Ouais. Voilà, je sais. Moi, je me suis servie de ça pendant le confinement pour éviter l'ennui, justement, de mon fils. Ah, d'accord. Il y a des posts. Alors, il y a Harry Potter. Alors, je ne vous dis pas, il est en train de se faire toute la série d'Harry Potter en audio. Pour les enfants qui ne sont pas fans de lecture, parce qu'on peut être à haut potentiel et ne pas être fan de lecture. Hein. Encore, on sort des clichés, encore une fois. Certains enfants adorent lire et puis d'autres pas plus que ça. Donc, pour ceux qui aiment lire, n'hésitez pas à leur fournir des livres, même avant de se coucher, parce que ça permet aussi au cerveau de redescendre en intensité. Et puis, s'ils n'aiment pas lire, n'hésitez pas à leur proposer un petit temps de podcast, un chapitre d'un livre, etc. Alors, évidemment, choisis un truc un peu apaisant, choisis pas des trucs où il y a des monstres partout, et voilà. Mais ça peut être une bonne solution aussi pour vous laisser un temps où on souffle pendant que votre enfant il est en train d'écouter ça, et puis après, on revient. Et puis maintenant, ça fait partie du rituel. Il y avait Nathalie qui… Armel, j'ai vu… Juste pour Harry Potter, moi, il a 7 ans et demi. Je me suis posé la question. Il est très tenté. Je lui ai montré quelques passages, mais je ne sais pas si c'est adapté à 7 ans et demi. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2 ? Ouais. Peut-être pas plus loin, parce qu'après, effectivement, ça peut devenir effrayant. Mais le 1 et le 2, ça reste voilà. Accessible, surtout en livre. En film, des images peuvent être plus impressionnantes pour des enfants qui sont sensibles aux images, donc faites attention. Oui. Mais oui. En livre, le 1 et le 2, ça passe. D'accord, merci. Nathalie, on vous écoute. Armel, je vous donne la parole après. Alors attendez, j'active votre micro. Je voudrais revenir un petit peu sur la douche, parce que moi j'ai ce problème aussi avec Carla. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc tout bête, c'est qu'on a, j'avais des habitudes, on a deux douches en fait, et du jour au lendemain, on a changé les habitudes, on est parti à l'autre douche, et en fait, ça allait beaucoup mieux parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, que le jet de la douche était beaucoup plus doux. Intéressant. Et
Mais ça a été, bah ouais, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, c'est très intéressant. Et comme ils sont hypersensibles, c'est vrai que le premier jet, je ne m'en rendais pas compte, mais ça faisait comme une pluie forte sur son corps et ça la dérangeait beaucoup en fait. Et donc voilà, donc peut-être des fois de changer le jet de la douche, ça peut aider. Très intéressant. Effectivement, on oublie parfois hein, qu'il y a l'hypersensibilité, puis il y a ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est ce que vous êtes en train de parler, c'est-à-dire cette hypersensibilité au niveau bah, de l'odorat, du goût, de l'audition et puis du toucher. Et la douche, du coup, pour certains enfants, ça peut être désagréable selon la puissance du jet. Donc, effectivement, c'est super intéressant ce que vous nous partagez. Après, il y a aussi l'option de un jour, c'est une douche et puis le lendemain, c'est un petit bain. Alors, vous savez, on est obligé de remplir les baignoires pour prendre soin de la planète quand même un petit peu. Mais un petit fond d'eau, en général, les enfants, ça leur suffit pour patouiller un petit moment, quel que soit l'âge, ils sont contents de ça aussi. Hein. Ça, voilà, on peut varier. Si vraiment la douche est trop intrusive sur le corps de l'enfant, on peut aussi proposer un petit fond d'eau pour juste faire trempette, se laver et puis ressortir. Quoi. Très intéressant. Merci Nathalie de votre partage. Armel, je vous active votre micro. Je viens de l'activer. Super. Bonjour. Alors, bonjour. Moi, maman d'une petite fille qui dort encore. Elle est marmotte à son enloir, donc j'en profite. Mais qui présente des symptômes qui ont nécessité un suivi du coup par rapport à ce que présentait notre couple star d'aujourd'hui. Donc du coup, pareil, moi je suis beaucoup en mode, il y a des rituels au sens très large, mais à l'intérieur, on va changer. Pour la douche, par exemple, il y a une fois, c'est un petit bac piscine d'extérieur d'Hécatlon, là, en mode tissu qui se replie et qui ne prend pas beaucoup de place, mais je l'installe dans le bac de douche, donc comme ça, elle a ça de hauteur de flotte. Ouais, alors, elle a 9 ans le mois prochain. Et donc, il y a des fois, bah, elle est en mode pause dans son fond de flotte avec les jouets du bain. J'ai qu'un bac de douche, hein. je ne vais pas détruire ma salle de bain pour le plaisir qu'elle prenne des bains. Bah, ouais. Voilà. Mais il y a des fois, c'est juste une douche. C'est une très bonne solution. Voilà. La musique aussi. J'ai fini par prendre un deuxième compte Deezer parce qu'à force d'avoir des chansons pour enfants qui apparaissaient sur la mienne en mode aléatoire, c'était... voilà. Donc, elle a ses playlists et puis on met la tablette à l'autre bout de la salle de bain et la musique joue pendant qu'elle fait la douche. Par rapport au fait de mal-être, alors pendant des années, je lui ai toujours sorti des tonnes de carnets et alors, je ne l'ouvrirai pas devant vous parce que c'est son carnet secret que je n'ouvre pas moi-même, mais elle a enfin trouvé, quand elle ne se sent pas bien, qu'on fait les devoirs, par exemple, parce que c'est un moment clé où les tensions et l'anxiété remontent, je la vois, elle ouvre son petit truc, elle gribouille des choses à l'intérieur, histoire de délester. Elle bloque sur l'écrit, la lecture s'est débloquée, mais elle bloque encore sur l'écrit, mais là, elle fait des dessins, elle gratouille. Alors, j'ai proposé 25 carnets avant qu'elle se saisisse de celui-là. Hein. Mmh. Voilà, mais il y a un jour où... voilà. Et pour le coucher, la période de confinement a aussi... voilà, il y a un truc, un dossier en cours, je rejoins Camille... voilà, mais du coup, j'ai vu apparaître un doudou aussi, parce que depuis qu'elle est petite, j'avais géré, vous savez, cette angoisse des parents de « Oh mon Dieu, il a perdu le doudou, il faut retourner au magasin, trouver le même !» Donc, j'avais géré à lui proposer toujours plein de doudous différents, jamais le même la nuit, il y avait le doudou qu'elle allait à la balade et tout ça. Et là, depuis le début du confinement, il y a Gaston qui est apparu. Une des nombreuses peluches est devenue le doudou qui fait dodo à côté d'elle, qui voilà. Et donc, j'ai senti une montée de l'appréhension du le confinement ou la situation familiale qui évolue et voilà. Et s'il y a ce paramètre, on en tient compte. Et au moment du coucher, ben pareil, c'est ritualisé mais avec plein de variantes. Il y a des soirs ce sera de la lecture, des soirs ce sera juste de la papote, des fois le soir le chat monte dans le lit, donc il faut faire des stratégies pour que il reste un petit peu parce que dès que maman s'en va, le chat se va aussi. Voilà, je connais ça aussi. Donc mais c'est de l'adaptabilité à longueur de temps. Faut prendre soin de soi parce qu'il y a des moments... J'avais parfaitement résumé ce que moi je pense, hein, ce que je partage avec vous dans tout ce que j'essaie de faire, c'est que ce qu'il faut développer, c'est notre capacité d'adaptation parce que ce qui est vrai un jour ne le sera peut-être pas le lendemain et puis surtout les enfants, ils évoluent. Donc, on pense avoir trouvé une technique qui fonctionne bien. Et puis, la préadolescence pointe le bout de son nez et elle arrive tôt chez les enfants à haut potentiel.
pas d'un point de vue hormonal, mais d'un point de vue pensée et d'un point de vue préoccupation, etc. Et puis, parce qu'on avait mis en place jusqu'à maintenant, ça ne marche plus parce que l'enfant, il a changé. Donc, c'est vraiment aussi vous donner à vous, parents, la possibilité, je disais la dernière fois, d'être des parents testeurs. Alors, sur mon groupe, c'est des parents créatifs ou des wonder parents. Mais c'est vraiment ça. N'imaginez pas que parce qu'un outil ne fonctionne pas, c'est vous qui avez, vous êtes des mauvais parents, puis c'est vous qui n'avez pas su le faire fonctionner. C'est pas ça. C'est qu'un outil, d'abord, il faut qu'il soit personnalisé aux besoins de l'enfant et qu'il soit personnalisé avec vos valeurs familiales. Les outils que vous allez trouver un peu partout ne fonctionneront pas forcément dans toutes les familles parce qu'un outil qui a été créé dans un livre, eh bien, il ne connaît pas votre situation particulière, la situation de monsieur ici ou encore la situation de Camille tout à l'heure ou encore la vôtre, Armelle. Chaque famille a son identité unique, son fonctionnement unique, ses problématiques uniques. La famille Bisounours où papa et maman vont bien et tout est bien dans le meilleur du monde, ça existe, fort heureusement, mais pas partout et loin de là. Donc, c'est vraiment important dans tous les outils que vous mettez en place, de tenir compte de ça, à la fois des besoins de votre enfant, parce que là encore, un enfant à haut potentiel, il est à haut potentiel, mais c'est aussi un individu unique. Donc, il partage des caractéristiques, on le voit bien là, vous vous retrouvez les uns les autres dans les problématiques que vous rencontrez, mais ce qui va marcher chez Fred, eh ben, ça ne va pas forcément marcher chez Armel et ni chez Camille, parce que vous avez des configurations qui sont spécifiques. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas vous qui ne savez pas mettre en place la parentalité positive ou l'éducation positive, c'est qu'elle a besoin d'être personnalisée. Donc ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Parce que sinon, ça crée beaucoup de culpabilité chez les parents et les parents se disent, mais en fait, voilà, tout le monde y arrive sauf moi et comment ça se fait que moi, je n'y arrive pas? Ben, parce que peut-être que cet outil-là, il n'est pas fait pour vous et en tout cas, il n'est pas suffisamment personnalisé pour qu'il fonctionne. Donc, n'hésitez pas à vous laisser, je le redis régulièrement, à vous laisser du temps pour tester quelque chose. Ce que vous allez mettre en place chez Fred suite à notre conversation, bah, laissez-vous du temps pour le tester, observez, faites les modifications que vous pensez devoir faire au fur et à mesure. Mais voilà, laissez-vous du temps pour expérimenter les nouvelles stratégies que vous mettez en place. OK ? Est-ce que c'est OK ? Il y a plein de mains levées. Ouh là là, Léa, je vois que vous avez levé la main. Alors, je vous allume votre micro. Ah, vous n'avez pas de micro. On ne vous entend pas, Léa. Attendez. Alors, moi, je ne vous entends pas. Ah, là, je vous entends. Est-ce que les autres vous entendez ? Vous m'entendez ? Oui ? Oui, c'est bon. Bien, je vous rejoins sur la plupart des expériences des uns et des autres, la douche, le coucher. Nous, concernant le coucher, elle a 7 ans et demi. Nous l'accompagnons à tour de rôle, son père et moi, tous les soirs. Avec une histoire. Et puis après, on reste à côté d'elle. Alors, au début, on était dans le lit à côté d'elle. Hein, et petit à petit, je mets un siège à côté, essayer de mettre un petit peu plus de distance pour qu'elle s'habitue au fait d'être de plus en plus bien dans son lit, sans forcément qu'il y ait le contact à côté d'elle. Voilà, elle sente notre présence à côté d'elle. Mais malgré tout, c'est quand même tous les soirs. Et au niveau de la vie de couple, voilà, elle dit ce soir, j'ai dormi dans ma chambre. Donc carrément, hier soir, grosse fatigue. Elle a dormi avec un petit matelas à côté de nous dans la chambre, c'était extrêmement exceptionnel. Mais voilà, ça, et pourquoi pas ? Elle est vraiment trop fatiguée d'être assise à côté. Mais voilà, du coup, avec la journée de travail, on peut se retrouver à rester avec elle jusqu'à 6h30 du soir. Oui. 11h, enfin voilà, ça rend compliqué le rythme. Bien sûr. Il y a quelque chose peut-être aussi à observer dans un cas comme dans le vôtre, c'est quelle est la meilleure heure à laquelle votre enfant s'endort facilement. Là encore, dans nos sociétés occidentales, on décide qu'il faut que les enfants soient couchés à 8h ou 8h30 ou
Voilà, il y a des dictates hein, comme ça, de, il faut qu'il soit couché à telle ou telle heure. Oui, sauf que s'il tourne pendant 2h30, ça a nettement moins d'intérêt. Nous, on s'épuise. Vous, vous épuisez parce qu'il faut rester 1h30, 2h à côté et qu'il y a un moment donné où c'est plus supportable, ni pour la vie de famille, ni... Et puis on devient... on n'est plus aidant dans ces moments-là parce qu'on n'a plus de patience. Donc, quand on n'a plus de patience, on n'est plus aidant. Donc, c'est intéressant aussi parfois de faire des tests de à quel moment mon enfant il s'endort le plus rapidement possible. Peut-être que pour certains enfants, ça va être 20h30, 21h selon l'âge. Et puis, peut-être que pour d'autres, ça va être 22h, 22h30 parce que c'est leur heure. Et que leur demander de s'endormir plus tôt, et bien en fait, tu es contente hein, de ce que je raconte. Ben, si à minuit, tu t'endors toute seule, essaye. Mais moi, je te mets au défi de t'endormir toute seule à minuit. Bah, hier soir, elle s'est endormie à minuit. Oui, mais pas toute seule, dans votre chambre. Et oui. En même temps, vous voyez, ça, c'est aussi... je termine, puis je rebondis sur ce que vient de dire votre fille. Mais c'est ça, c'est quand même aussi essayer de regarder à quel moment il s'endorme le plus rapidement, parce que demander à un enfant au potentiel d'être couché dans son lit, dans le noir, dans le vide, quand le sommeil n'est pas là, c'est savoir que ses pensées envahissantes et angoissantes vont le submerger et que le sommeil derrière, il va être de plus en plus compliqué. Donc, vaut mieux décaler l'heure du coucher et qu'il mette 20 minutes à s'endormir et qu'il n'ait pas le temps de faire monter l'angoisse, plutôt que d'essayer de le coucher plus tôt en pensant être tranquille, entre guillemets, hein, en tout cas en pensant pouvoir récupérer une soirée pour nous, et puis finalement faire des allers-retours pendant 3 heures parce que l'angoisse monte, et puis plus elle monte, et plus après c'est compliqué. Pour rebondir sur... C'est relatif au réveil aussi, l'heure du coucher, c'est-à-dire que selon l'heure à laquelle elle s'endort, le lendemain matin, elle peut se réveiller plus facilement, parce que du coup, ça... Elle dit que ça lui est arrivé de se réveiller à midi il n'y a pas longtemps. Du coup, oui, le lendemain, moi, je me mets une pression aussi parce que ça introduit aussi le rythme du lendemain. On fait classe à la maison et c'est pas facile aussi de gérer ce rythme. Et du coup, c'est vrai qu'au début du confinement, à 9h, elle était au bureau classe, et puis voilà, plus elle se couche tard, plus elle se lève tard, plus la classe est décalée, plus il y a une nervosité, et moins ça se passe bien, enfin, tout en découle. Ouais, deux choses. N'hésitez pas à challenger vos enfants, quel que soit leur âge. Les enfants au potentiel, ils adorent les défis. En règle générale, ils adorent être challengés, c'est un truc qui leur plaît beaucoup. Donc, ce que je vous disais, mais du coup, elle s'en va. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment cet ordre-là. C'est, ah bon, tu veux te coucher à minuit? Mais alors, à minuit, c'est sans moi. Parce que ceux qui se couchent à minuit, en général, ils sont beaucoup plus grands que toi. Donc, si tu veux pouvoir te coucher à minuit ce soir, ok, mais c'est sans moi. Et c'est la mettre au défi. Parce que peut-être que si une fois, elle arrive à s'endormir sans vous, elle va se rendre compte que finalement, elle peut le faire. Et du coup, les autres fois, ça va devenir moins difficile. Donc, n'hésitez pas à leur mettre des challenges. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Elle est partie chercher ses cartes de défi. Eh oui, c'est chouette hein, les défis. Je sais que tu aimes bien ça. Bien sûr. L'autre chose sur laquelle je ne peux pas laisser passer ce que vous dites, c'est sur la question de l'école à la maison. Pendant le confinement, j'ai très peu d'expérience dans le sens où moi, je fais l'école à la maison toute l'année, toujours depuis que mon fils est né. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Mais l'instruction en famille n'a rien à voir avec l'école à la maison qu'on est en train de vous imposer à vous, parents, avec des enfants confinés. Mais il y a justement ce rapport-là, que c'est là il y a un rapport avec la maîtresse qui n'est pas là. Voilà. D'habitude, avec la maîtresse, on fait comme ça. D'habitude, c'est comme ça. C'est ça. Je pense que si je faisais l'école à la maison comme vous… Vous feriez autrement. Je ferais autrement. Mais là, il y a un rapport avec le symbole de l'école, avec ce qu'est la maîtresse, avec ce que je devrais faire par rapport à ce que fait la maîtresse. Et puis, il y a la pression que vous mettez, vous, de il faut que je sois une bonne maman, une bonne enseignante, une bonne... parce qu'il faut que je prouve à l'institutrice ou au système d'éducation que je suis aussi capable d'enseigner à mes enfants parce qu'on vous martèle partout que c'est indispensable qu'ils apprennent tout le temps et que s'ils n'apprennent pas pendant une nuit, ça va être la fin du monde.
Alors, moi, je vais vous dire clairement ma position. Ce n'est pas grave si votre enfant ne suit pas un rythme scolaire jusqu'à la fin de l'année. Là, on est fin mai. Si vous lâchez maintenant, ce n'est pas grave. Vos enfants, ils vont apprendre d'autres choses de la vie. Vous n'êtes pas obligé. Alors, je ne vais pas me faire des copains hein, quand certaines personnes vont regarder cette vidéo, mais ce n'est pas grave, je vais assumer. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser embarquer dans ce que l'éducation nationale est en train d'essayer de faire. Vous faites ce que vous pouvez. Il y a des familles où les enfants, ils aiment beaucoup apprendre, ils apprennent très facilement. Les parents ont beaucoup de plaisir à faire apprendre leurs enfants parce qu'ils ne sont pas en télétravail, parce qu'ils sont disponibles pour ça, parce qu'ils ont une fibre pédagogique particulière. Et c'est OK à ce moment-là, faites l'école à votre enfant et trouvez ça chouette et c'est super. Mais quand vous sentez que ça met à mal votre relation familiale, lâchez prise là-dessus. Vous vous rendez compte de la pression que vous vous mettez en plus. Votre enfant, il va apprendre, je vous jure qu'il va apprendre des choses, il va apprendre autre chose que d'écrire dans un cahier. Mais ce n'est pas grave, ça, il le refera au mois de septembre. Elle sait déjà tout faire. En plus, en général, voilà, au niveau scolaire, alors il y a des enfants qui sont à haut potentiel et en difficulté. Il faut en tenir compte aussi, mais... Je pense vraiment que c'est important de lâcher prise. Au mois de septembre, les choses vont se remettre en place. Alors, peut-être différemment que ce qui existe actuellement, je ne sais pas. Mais on peut espérer en tout cas que des choses se remettent en place au mois de septembre. D'ici là, ne vous mettez pas de pression supplémentaire dans les familles. C'est impossible ce qu'on est en train de vous demander. Moi, je suis vraiment très en colère après tout ça depuis le tout début. Parce que je travaille à la maison, hein, je télétravaille. Je fais l'école à la maison, mais ça demande un rythme, une organisation, une habitude, quelque chose qui a été pensé avant, où je peux adapter les apprentissages que je fais faire à mon fils en fonction de mes heures de travail que je décide moi-même. Enfin, vous voyez, là, c'est une organisation. Là, pour la plupart d'entre vous, il y a du télétravail avec des horaires fixes, parfois des réunions fixes, imposées, etc. Il y a les réunions de l'école de l'enfant. Enfin, stop, quoi. À un moment donné... Vous n'êtes pas des superwoman et vous pouvez aussi dire aux institutrices ou aux maîtresses, moi j'arrête. Voilà, moi j'arrête et puis j'assume d'arrêter. Et les apprentissages formels reprendront au mois de septembre. Et à ce moment-là, vous aurez eu le temps de revoir votre organisation. J'espère qu'on vous préviendra de comment les choses reprendront et que chaque famille aura la possibilité de s'organiser par rapport à ça. Mais n'ayez pas peur que votre enfant perde ses acquis. Un enfant, ça apprend tout le temps, je vous assure. Par exemple, elle m'a demandé la différence entre le président et le maire. Au niveau de la communauté. On a regardé des petites vidéos sur les choses civiques et elle apprend bien mieux, effectivement, dans ce rythme. Bien sûr. Il y a des GPM, etc. où ils sont en demande et on reçoit ce qu'ils demandent. Sur canopée. Mais oui, bien sûr, en vous posant des questions, juste même parfois dans l'échange. Alors parfois, vous, effectivement, si vous avez un petit livre, allez faire les bibliothèques devraient être ouvertes normalement. Donc, allez faire un saut aux bibliothèques, aller chercher un petit bouquin qui peut parler de ce genre de choses. Mais juste dans l'échange, en vivant, un enfant, il apprend. Se pose dans la régularité, par exemple, son instrument trombone, où elle doit se muscler et tout ce qui est dans cette régularité. C'est ça qui m'inquiète aussi par rapport à l'école, la régularité de l'écriture, de la dictée, ces choses-là. Et je suis en difficulté par rapport à ça. Oui, parce qu'on a nous-mêmes besoin d'être déscolarisés quand nos enfants sont déscolarisés, parce qu'on a des a priori sur les apprentissages, parce que nous-mêmes, on a appris de telle ou telle façon, et du coup, on ne sait pas qu'il peut y avoir d'autres façons d'apprendre. Effectivement, au niveau de l'écriture, de la lecture, etc., ça nécessite de l'entraînement. Okay. Loin de moi l'idée de dire que ça nécessite pas d'entraînement, je suis convaincue que ça en nécessite. Simplement, plutôt que d'être assise à un bureau à 9h parce que c'est rassurant et de faire du travail scolaire qui, un, ne l'intéresse pas beaucoup parce qu'elle le maîtrise déjà, et deux, vous met une pression de fou à vous, donc ça se passe forcément dans un état de tension, elle peut écrire d'autres choses. Elle peut écrire ce qu'elle a fait dans la journée, elle peut à la fin de la journée écrire tous les bons moments qu'elle a passés. Ça va la valoriser, renforcer son estime de soi, ça va développer d'autres compétences chez elle, tout en écrivant. Pourquoi pas écrire à la fin de la journée le meilleur moment qu'elle a passé dans la journée.
Ça, on a essayé de le faire, mais c'est vrai qu'elle est encore dans un rapport à la maîtresse adipeuse. Après, c'est aussi responsabiliser les enfants. Alors là, parfois, on me trouve un petit peu dur sur ce thème-là, mais je pense qu'avec les enfants à haut potentiel, c'est vraiment important. C'est-à-dire que à partir de 7-8 ans, je dirais, un enfant, il peut prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que si vous pouvez lui dire, écoute, voilà, c'est soit on arrête l'école telle qu'elle est en train de se faire maintenant parce que c'est trop compliqué, et puis on va faire autrement, on va apprendre d'autres choses autrement ensemble dans la famille, soit c'est vraiment très important pour toi de faire l'école avec la maîtresse, et à ce moment-là, tu t'engages à le faire de telle façon, à telle heure et à telle condition. C'est-à-dire que les enfants, ils vont toujours essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur job d'enfant. Et puis encore plus, les enfants à haut potentiel qui négocient tout le temps tout parce qu'ils veulent tout contrôler et tout maîtriser. Mais ils vont vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Et encore une fois, il ne faut pas les blâmer de ça. C'est leur job d'enfant d'essayer de gagner sur tous les tableaux. Après, c'est à nous d'être clairs aussi sur ce qui est possible pour nous. Si c'est l'école à la maison avec la maîtresse, avec les devoirs de la maîtresse, alors tu t'engages à ce que ça se passe bien et à ce que tu le fasses dans le calme et de telle heure à telle heure. Si tu ne peux pas tenir cet engagement, alors c'est moi qui décide que ça se passe autrement. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour plein de choses dans la vie des enfants à haut potentiel, parce que comme ils sont dans cette négociation permanente, ils en oublient qu'ils ont des responsabilités. Et malheureusement, dans la vie qui avance assez vite, la notion de responsabilité, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, on ne leur donne pas des grandes responsabilités. C'est toujours le parent qui finit par prendre la décision parce que c'est l'adulte à la maison qui a le plus d'expérience, qui est en mesure de prendre une décision. Mais par contre, on le confronte au fait que s'il veut choisir ça, s'il veut faire ce choix-là, voilà quelle est la responsabilité qui y est associée. Ça va leur permettre d'expérimenter qu'ils veulent du pouvoir, ils veulent être grands, ils veulent décider, ils ne comprennent pas pourquoi c'est papa et maman qui décident et pourquoi ce ne serait pas eux, c'est quand même terriblement injuste. Ok, sur cette partie-là, je te donne la possibilité de faire un choix, mais par contre, voilà quelle est la condition de ce choix. Si tu je vais vous donner un exemple très personnel, puisque vous partagez vos vies et j'ai à cœur aussi de faire la même chose. Moi, je fais l'école à la maison. Dans les périodes où c'est compliqué, mon fils sait que l'école à la maison, il faut que ça se passe calmement. Si ça ne se passe pas calmement et que ça devient trop tendu pour moi et trop difficile pour moi, s'il faut que je négocie pour le mettre au travail, s'il ne fait pas du mieux qu'il peut quand il est en train de travailler, pas parfaitement, mais du mieux qu'il peut quand il est en train de travailler, alors moi, je ferai un autre choix. Parce que quel que soit le choix qu'on fait, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est important aussi avec les enfants qui comprennent ça. Alors, petit à petit, avec bienveillance, en expliquant les choses et commencer sur des petites choses qui peuvent réussir, qui vont les mettre en réussite. Mais je pense que ça, c'est important. Donc voilà, par rapport à l'école, soit pour votre petite fille, c'est très important de continuer l'école avec la maîtresse et c'est dans telle et telle condition. Parce que ça se passe comme ça. Soit c'est plus important pour elle de pouvoir jouer plus et de pouvoir être plus libre de ses heures de coucher, de lever et être dans un mode plus détendu. Et à ce moment-là, c'est de l'instruction avec vous. Hein? Elle dit jouer plus. Jouer plus. Alors, si tu veux jouer plus, tu ne peux pas continuer de faire l'école avec la maîtresse pendant le confinement. Parce que l'école avec la maîtresse, ça demande qu'il y ait des heures précises où il faut que tu fasses l'école. Et elle me disait qu'elle voulait que je vous parle de chronomètre. Je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Elle me disait qu'elle voulait que je vous parle du chronomètre. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire du chronomètre? On vous a perdu. On vous a perdu. Bon, on y reviendra à l'occasion. Je me demandais si la dernière séance de post-confinement, je n'allais pas justement la proposer avec les enfants pour avoir un peu le regard des enfants et voir un petit peu ce qu'ils nous racontent, un petit peu de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu pendant ce confinement et puis de l'ambiance à la famille et tout ça. Je pense que je vais vous proposer ça.
Alors, par contre, voilà, on verra sous quelle forme et peut-être en plus petit groupe, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que Léa, on vous a perdu? Donc, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir sur ça ou sur autre chose? On a encore, allez, on va dire encore 25 minutes à échanger. Est-ce que vous avez de Sandra? Est-ce que quelqu'un d'autre Je ne vous entends pas. Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis venue un petit peu après, au retard par rapport au début. Pas de souci. Moi, je suis maman de 3 filles. Qui ont 11 ans, 9 ans et 5 ans. Alors, les deux grandes ont été diagnostiquées au potentiel. Les examens ont été faits parce qu'on avait beaucoup de difficultés avec la deuxième qui a aussi un TDAH. Donc, ce sont des filles hétérogènes. C'est très électrique à la maison. La troisième, vraisemblablement, suit le même chemin. Bon, bien que je n'ai pas de difficultés avec la troisième. Et voilà, j'ai beaucoup entendu de parents qui parlaient d'un enfant, et j'ai pas beaucoup entendu de parents avec des fratries, voilà. Et mes difficultés, elles sont surtout là. Donc, tout ce que vous avez évoqué, donc le coucher, le repas, on n'a pas parlé du repas, j'y pensais, mais voilà, le passage au repas, je pense que c'est un petit peu pareil que le passage à la douche, le passage au coucher. Voilà, donc tous ces moments-là, je l'ai vécu, je le vis encore. On a trouvé pas mal d'astuces, puisqu'on est sur tous les fronts depuis très tôt. On a mis en place pas mal de choses, des rituels qui fonctionnent, plus ou moins, pas toujours, mais en général, voilà, on a trouvé des modes de fonctionnement. Moi, le gros chat. Petit chat ? Oui, voilà, il va miauler. Voilà, après le confinement à la maison, c'est très compliqué pour nous, bien sûr. Nous sommes tous les deux en télétravail, hein, et alors là, je vous le dis pas, c'est la catastrophe. J'ai un mari qui tient absolument à l'école, comme avec les rituels. Moi, j'étais un petit peu plus dans le lâcher prise, mais on n'est pas tout le temps d'accord. Ça aussi, c'est très compliqué à gérer parce que les enfants, ils perçoivent qu'on n'a pas la même façon de fonctionner. C'est quelque chose qu'on dit, hein, voilà, avec papa c'est comme ça, avec maman voilà, c'est comme ça. Après l'école, c'est ma deuxième, hein, qui pose beaucoup de difficultés. Elle a 9 ans, elle est retournée à l'école là, récemment, lundi, et jeudi dernier. Alors elle était ravie parce qu'elle avait un cadre. Alors elle est allée dans une classe de CP. Puisque, alors, elle était prioritaire dans le sens où elle a un PAP, elle a un plan d'aide personnalisé, puisque, bon, elle a des difficultés à rester assise, écouter, bien que l'école, ça aille très bien. Et donc, dans ce cadre-là, c'était magique. Elle était ravie, elle était rassurée de voir que l'école existe toujours, que l'école physique existe toujours, parce que malgré son maître fait la classe virtuelle, bon, la classe virtuelle, au bout d'une minute, elle a zappé. Ça, c'est le problème de l'attention. Voilà. Mais le physique qu'elle a vu, de l'école, ça l'a vraiment rassurée. Alors, ça a été magique. Alors, j'ai eu la chance aussi que les deux autres aussi ont fait une journée d'école. Et là, je revis. Donc, je ne sais pas au mois de juin comment ça va se passer, mais c'est vrai que l'ambiance à la maison, c'est très, très, très électrique. Donc, je bois toutes ces paroles. J'ai bien aimé là, le discours sur la responsabilité de est-ce que tu choisis ça ou ça. Et ça, effectivement, il faut que je travaille moi plus là-dessus. Peut-être qu'on impose trop de choses aux enfants. Alors, c'est plus difficile parce qu'on en a trois. Donc, si on le dit à l'une, il y a la deuxième, puis il y a la petite qui a 5 ans, mais qui commence à bien comprendre les choses et à dire « et moi aussi ». Oui, toi, tu as 5 ans. C'est ça qui est difficile pour nous aussi. Mmh. On n'a pas les mêmes règles en fonction des enfants et des besoins. Enfin, là, c'est difficile parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça pour l'un et pourquoi ce n'est pas comme ça pour l'autre. Et ça, pour nous, c'est la plus grande difficulté, je pense, qu'on n'a pas encore… C'est vrai que ça, c'est quelque chose de compliqué, surtout pour des enfants au potentiel, une fratrie d'enfants au potentiel encore plus, parce que comme déjà, ils ne comprennent pas la notion d'écart d'âge et d'autorité, ils ne comprennent pas du tout pourquoi le grand frère peut avoir telle ou telle chose et pas les autres. Alors, ça existe dans d'autres familles aussi, mais j'ai l'impression, dans les témoignages que je reçois, dans les nombreux mails que je reçois sur ce thème-là, c'est que c'est quelque chose qui est encore plus vrai chez les enfants au potentiel.
Les enfants à haut potentiel, plus que les autres enfants, ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de comprendre. Peut-être que ça ne va pas leur convenir, mais en tout cas, il faut qu'ils puissent rattacher un sens. Et moi, le conseil que je donne en général, c'est miser sur l'expérience de vie. On ne fait pas les mêmes choses en fonction de l'âge parce qu'on n'a pas la même expérience de vie. Vous prenez les décisions en tant que parent parce que vous avez beaucoup d'expérience et que vous avez déjà connu plein de situations et que donc vous savez un petit peu mieux ce qu'il est bon de faire dans telle ou telle circonstance. Le plus grand de la famille n'a pas a plus de liberté peut-être parce qu'il a plus d'expérience et qu'il est plus raisonnable, il a plus compris les dangers de telle ou telle situation, donc maintenant il peut plus y faire face. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettre du sens vraiment en lien avec l'expérience de vie. Après, c'est vrai que ça nous demande parfois aussi à nous de nous reposer la question, pourquoi on donne telle autorisation à l'un et qu'on ne la donne pas à l'autre ? Oui. On fait bien de la donner ou pas ? Donc ça, c'est un gros travail de parent. Hein. Après, c'est aussi, là encore, être très bienveillant envers nous-mêmes, c'est-à-dire que parfois, on dit non à notre enfant ou à un de nos enfants. Et puis, au fur et à mesure que la journée se déroule, on se dit, j'ai quand même vraiment pas de raison d'avoir dit non, hormis que j'étais fatiguée et que j'avais pas envie. Et que... Donc, ça fait un moment que dans la journée, notre enfant, on le trouve agressif, on le trouve désagréable. Mais en fait, il sent cette ambivalence en nous. Il sent qu'on n'est pas très clair sur ce qu'on vient de lui dire. Donc là, c'est aussi lui dire, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit non parce que j'étais fatiguée ou parce que je manquais de patience ou... Et puis, je suis en train de me dire que peut-être que j'aurais pu dire oui, mais comme je t'ai dit non, ça va quand même être non, par contre. Parce que je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais pour une prochaine fois, je prendrai le temps de plus réfléchir avant de te répondre. Voilà, c'est montrer que nous aussi, en tant que parents, parfois on peut être à côté, parfois on peut faire des erreurs. Mais par contre, quand on a posé un non, qu'on pense ou pas qu'il a du sens ou qu'il n'en a pas ou qu'on a bien fait ou on le tient coûte que coûte parce que sinon ils vont se faire. Ah, c'est dur. C'est dur. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Mais gardez en tête que si vous lâchez sur un nom, votre enfant, il a une mémoire d'éléphant et que dès qu'il va pouvoir vous le replacer, il va vous le replacer. Il va s'en servir et puis surtout, ça va l'insécuriser. On retombe sur ce besoin de sécurité des enfants à haut potentiel. Mais c'est quand même très sécurisant si maman ou papa me dit non et que je sais que quand il m'a dit non, c'est non. C'est très sécurisant pour un enfant. Donc, gardez ça dans votre esprit quand vous êtes en galère pour tenir votre non, parce que des fois, c'est très dur. N'oubliez pas que vous êtes en train de participer à son besoin de sécurité. Et puis après, il y a tout un travail. Alors, je ne vous cache pas que d'ici quelques temps, je vais vous proposer des accompagnements, alors en ligne ou pas en ligne, je ne sais pas encore comment les choses vont se faire. Mais pour vraiment arriver à créer vos propres outils éducatifs, j'avais déjà cette idée-là il y a quelques temps et je le constate avec ces mini-ateliers qu'il faut vraiment que vous arriviez à créer vos propres outils et ça ne peut pas être l'outil de tout le monde. Mais je retombe là-dessus parce qu'on parlait du non et pour une règle, par exemple, non négociable, donc une règle où on va dire non systématiquement, vous n'arriverez pas à la tenir si vous n'êtes vraiment pas aligné avec cette règle-là. Donc, c'est vraiment faire tout un travail en amont sur dans ma famille, dans cette famille, dans cette maison, qu'est-ce qui n'est pas autorisé mais qui ne l'est jamais. Même si tout d'un coup il fait beau, même si je suis fatiguée, même si le petit est malade, même si quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui dans cette maison n'est pas acceptable. Et une fois que vous avez défini ça et que vous êtes très aligné avec ça, pas parce que votre belle-mère vous a dit qu'il fallait pas fallait que les choses se passent comme ça, ou la télévision, ou un livre, ou je ne sais pas qui, mais vous avec vous, en tant que parent, dans votre parentalité à vous, dans votre vie de famille à vous, voilà, sur quoi, 2-3 choses, pas plus au début, sur quoi il est clair et net que ça, je ne tolérerai jamais. Et une fois qu'on l'a posé, on s'acharne à le tenir. Mais quand on est très aligné, quand on sait pourquoi on n'est pas d'accord avec ça. Par exemple, on va prendre, vous parlez des fratries. Dans certaines fratries, il y a pas mal de violences physiques, ça existe. Ou d'agressivité verbale. Voilà, ou d'agressivité verbale. Verbale, surtout. Si pour vous, avec vos valeurs, ce n'est pas possible que votre enfant ait ce comportement-là entre eux,
Alors, il faut le décider comme une règle non négociable, c'est-à-dire vous réunissez la famille, vous expliquez qu'à partir d'aujourd'hui, ce comportement-là, alors précisez hein, les mots employés, parce que vos enfants, ils vont jouer sur les mots, c'est une certitude. C'est sûr. Donc, telle façon de parler, tel mot employé dans cette maison, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas négociable. Et voilà ce qui se passe quand ça arrive. N'oubliez pas cette étape. Voilà ce qui se passe quand ça arrive. On n'est pas dans la punition, elle ne sert à rien. On va être plus dans de la réparation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver à faire à votre enfant qui va avoir un lien avec le comportement et qui va lui permettre de réparer son comportement pour en apprendre quelque chose. On ne cherche pas à ce qu'il ne le fasse plus parce qu'il a peur d'être privé de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. On cherche qu'il ne le fasse plus parce qu'il a compris que ça ne sert ni à lui ni aux autres. Donc voilà, ça ne peut pas se faire en 2 minutes là, c'est juste une piste que je vous lance comme ça, gardez-la, réfléchissez-y. Mais voilà, n'oubliez pas cette étape de qu'est-ce qui se passe après. Parce que si on est très clair sur des règles et qu'on dit, je ne sais pas, dans cette maison, on ne court pas. Pourquoi pas ? Il y a des gens chez qui on court. Moi, je suis en appartement, par exemple, c'est compliqué si un enfant se met à courir partout. Si mon enfant court, qu'est-ce qui se passe de manière régulière ? Parce que si c'est juste, chez moi, on ne court pas, et puis quand tu cours, je te rappelle que chez moi, on ne court pas, vous voyez bien l'effet que ça va lui faire, quoi. Hein ? Alors que si derrière, ben, il se passe concrètement quelque chose, si tu as transgressé la règle, alors là, ça prend du sens et alors là, ça a de l'intérêt. Et n'hésitez pas aussi à associer vos enfants dans la recherche de sanctions. Quand vous définissez les règles, n'hésitez pas à demander à votre enfant, ben, tiens, si tu transgresses, qu'est-ce que tu pourrais faire pour réparer ? Vous allez être surpris de leur inventivité, de leur imagination. Et puis surtout, ils vont être beaucoup plus impliqués pour appliquer la sanction si eux-mêmes, ils l'ont décidé. Ce sera beaucoup plus facile de le faire appliquer. Je note, je vais tenter ça. En tout cas, voilà, à essayer et encore une fois, à expérimenter. Peut-être que les règles que vous allez définir en premier, ben, au bout de 3 jours, vous allez vous dire non, finalement, ça, c'est pas si important que ça pour moi. Eh bien, on refait un conseil de famille et on explique que finalement, eh ben, ça va plus être comme ça et que ça va être autrement jusqu'à trouver la bonne formule et vous allez la trouver. Je ne connais pas de parents impliqués comme vous l'êtes tous dans les vies de famille et qui ne trouvent pas la bonne formule. Vous allez la trouver, c'est une certitude. Voilà pour les petits conseils autour des règles. Mais voilà, vous allez recevoir des mails, je vous reparlerai de ce qui sera possible prochainement, mais ça ne va pas être tout de suite. Une chose à la fois. Ouais, Claire, je vous écoute. Pour les gros mots, quelle peut être la réparation Alors, le gros mot, il n'est pas autorisé. Pourquoi ? Au moment d'une colère. Hein. Oui. Au moment d'une colère, ça vient de sortir. Là, il y a des gros mots qui apparaissent. Okay. À destination de quelqu'un ou jeté en l'air ? Nous, on a posé la règle que c'était inacceptable, enfin, chez nous, de dire un gros mot à son parent, voilà. Mais c'est donc ça, la règle est posée, donc elle est détournée. Le gros mot, il est dit au mur ou. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Mais après, j'aurais souhaité, j'ai proposé de chercher d'autres mots à dire à ce moment-là. Donc ça, on a trouvé, hein. On a trouvé. Et parfois, bon, mais là, ça, on vient de le mettre en place. Alors, c'est tout récent pour voir comment ça. Vous n'oubliez pas, Claire, hein, que quand votre enfant il est en crise ou en colère, ou il pense pas avec son cerveau qui réfléchit. Hein. Donc, c'est compliqué pour lui d'aller rechercher la règle et la consigne à ce moment-là parce qu'il est explosé au niveau du cerveau. Donc, après, est-ce que ça veut dire qu'on supporte tout pendant la crise ? Bien sûr que non. Et effectivement, les violences verbales et les violences physiques doivent être posées comme un non négatif. Voilà. C'est jamais négociable, clairement, quel que soit le contexte. Si c'est des violences verbales qui s'adressent à vous, peut-être que c'est intéressant que vous expliquiez à votre enfant ce que ça vous fait à vous. Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que ça a eu un impact quand même. Ouais, voilà. Et du coup, la réparation, elle va être comment tu peux réparer ça vous blesse.
Hein, en général, ça nous blesse quand les enfants sont violents envers nous. Tu m'as blessé, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour réparer ça? Donc, on n'est plus sûr, on remplace un gros mot par un autre mot, mais sur ce que ça fait, qu'est-ce que ce gros mot fait? Il me blesse. Il me blesse. Donc, si tu m'as blessé, ben, c'est de ta responsabilité, on retombe sur la question, sur cette notion-là, c'est de ta responsabilité de réparer ce que tu m'as fait. Oui. Alors, il trouve. Voilà. Soit par des petites fleurs ou. Voilà, ou un dessin, ou un bisou. Un dessin. Voilà. On n'est pas obligé d'être très exigeant dans ce qu'on demande en termes de réparation. Hein. Et parfois, c'est des choses qu'on lui avait dites à l'école. Donc, ça a permis de créer un dialogue autour de ça. Super. Et j'étais surprise, ouais, parce que c'est pas des mots que nous on se disait, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et effectivement, c'est des choses qu'on lui avait dites, ouais. Puis parfois les enfants, ils ont aussi alors c'est soit parce qu'ils l'ont subi, donc du coup ils le réexpriment comme ça. Et puis parfois ils ont l'impression d'être grands quand ils disent des gros mots. Ils ont l'impression. Oui. Oui, puis ça doit être agréable à dire. Oui, il y a une espèce de transgression dans le grand mot. Il y a une espèce de maintenant je suis grand et je peux en dire puisque les adultes ils en disent et puis ils ont le droit. Donc oui. Voilà, il y a une espèce de transgression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce travail autour des gros mots, il peut pas. C'est impossible qu'il soit fait pendant la crise. Il faut que vous lâchiez cette idée-là. En amont, essayez de trouver ce qu'il peut faire d'autre que de crier des gros mots. Essayez de lui donner des astuces sur ce qu'il pourrait faire d'autre, sans aucune certitude qu'il arrive à aller rechercher cette information-là au moment où il explose. De la crise. Par contre, effectivement, le tourner vers le mur et lui dire si tu as besoin de dire des gros mots et d'hurler, tu me fais pas à moi, par contre au mur, c'est possible. Mettre cette limite-là, dans un premier temps, mettre cette limite de. Ok, tu as besoin de dire des gros mots, tu peux dire des gros mots, mais au miroir, au mur, au plafond, à ce que tu veux, mais pas à moi. Pas quelque chose qui s'adresse à vous. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, mettre cette limite-là. Et puis après, petit à petit, effectivement, essayer de trouver d'autres moyens d'expression de ce qui ne va pas pour lui à ce moment-là que les gros mots. En même temps, voilà, un gros mot qui est jeté en l'air n'a pas d'impact sur. Ne blesse pas. Est-ce que c'est si grave? Après, effectivement, là encore, c'est dans chaque famille. Peut-être que pour vous, c'est très grave et c'est important de tenir compte. Non, c'était ça, quand il était adressé. Là, pour moi, c'est inacceptable. Quand il est adressé directement à nous, en l'occurrence, c'est pas possible. Ouais. Donc là, même crise ou pas crise, vous le reprenez en lui disant, ça, c'est non. Donc, on le prend physiquement, on le tourne. On le met face au mur. Là, tu peux hurler. Dessinez-lui un bonhomme sur un mur ou quelque chose de virtuel auquel il puisse s'adresser s'il a vraiment besoin de s'adresser à quelque chose. Mais c'est vraiment, voilà, ça va vraiment être ça. Mais voilà, pendant la crise, c'est en ça que je vous répète souvent, le seul moyen de bien accompagner une crise, c'est de l'éviter. Hein. Parce que pendant la crise, les cerveaux, ils sont déconnectés, les leurs, parfois les nôtres, si on est honnête avec nous-mêmes. Parce qu'on fait, on a des neurones miroirs, et puis on a nos émotions de maman, et puis on a notre fatigue de parents qui fait que ben, nous aussi, ça déconnecte. Et puis donc la meilleure façon vraiment de gérer une crise, c'est de l'éviter. Après, une fois qu'elle est là, on fait le mieux qu'on peut, on essaie de garder nos valeurs éducatives et ce en quoi on croit en termes de bienveillance, d'accompagnement, etc., au mieux de nos capacités du moment. Et on a beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes quand on n'y arrive pas. Quand on n'arrive pas à avoir la patience, quand on a crié, quand on s'est énervé, on se fait un gros câlin à nous-mêmes en se disant bah oui, ce coup-là, tu n'y es pas arrivé, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Et puis, on peut aussi s'excuser auprès de nos enfants en disant bah, tu vois là, mon comportement, j'en suis pas très fière. Et moi aussi, j'ai besoin de réparer. Et voilà, j'aurais préféré ne pas avoir ce comportement-là, mais je l'ai eu. Voilà. Parce que je ne suis pas une machine, je suis aussi un être humain avec mes émotions, mes limites. En parlant de soi, encore une fois, toujours parler de soi à nos enfants. Mais soyez tolérants avec vous-même. Craquer, c'est normal dans toutes les familles. Et voilà, je ne suis pas du tout dans une dynamique d'éducation. Moi, si vous me suivez depuis un moment, moi, je suis éduque depuis 22 ans. Oui, mais c'est 22 ans.
Et j'avais des groupes de 9, 10, parfois enfants, parfois adolescents, et parfois je hurlais et parfois je craquais. Hein. Et Dieu sait si je crois à l'éducation positive et si je suis formée à ça. Mais parfois on craque. Et puis parfois avec mon fils actuellement, je craque. Ça m'arrive. Et ça ne veut pas dire pour autant que je n'applique plus ce en quoi je crois. C'est juste qu'à ce moment-là, c'était plus possible pour moi. Donc, voilà, c'est important aussi de rester bienveillante avec soi-même. Ok, et bien encore un super temps d'échange. Je vous remercie beaucoup pour tous vos partages et pour tous ces échanges-là. Donc, là, on se refait ça une dernière fois la semaine prochaine, parce que vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir continuer de faire ça toutes les semaines. Je vais vous proposer d'autres formules. Alors, évidemment, qui ne seront probablement pas gratuites, mais je vais essayer de faire en sorte que tout le monde puisse accéder d'une façon ou d'une autre à tout ça. En tout cas, il reste une séance la semaine prochaine, offerte et gratuite. Je ne sais pas sous quelle forme. Voilà, je me dis que peut-être ça pourrait être pas mal que les enfants soient présents. J'aimerais bien avoir un petit peu les retours des enfants sur les règles de la maison, sur comment ça se passe, sur... avoir cet échange-là un petit peu, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être vous mettre un petit sondage par mail pour voir un petit peu si ça intéresse les gens. Dernière petite chose, dans le mail que vous avez reçu hier, aujourd'hui, je vous demandais si vous voulez bien, par vidéo ou alors par écrit, si vous voulez bien témoigner de l'expérience que vous avez eue pendant ces ateliers. Parce que bah, vous le savez, c'est difficile de savoir à qui on peut se fier sur Internet. Il y a beaucoup d'offres, on ne sait pas bien qui est derrière, etc. Donc, si vous avez l'élan et la générosité de faire un petit témoignage, alors qui peut être écrit si vous n'êtes pas à l'aise à la caméra ou qui peut être en vidéo, voilà, ce serait chouette de pouvoir le faire, simplement avec authenticité de témoigner de ce que vous avez partagé ici. Il y a un petit document où je vous pose 4 petites questions et qui laisse vraiment libre cours après à ce que vous pouvez en dire. Donc voilà, si vous avez l'élan de le faire, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une super belle journée avec vos enfants. Prenez soin de vous, prenez soin de vous pour pouvoir tenir face à vos enfants. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est OK pour vous? OK, je vois des petites pouces qui se lavent. C'est chouette cette petite animation-là. Ok, eh bien, écoutez, je coupe. Belle journée à vous et puis à très très bientôt. Bye bye.